Eh, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Eh oui, c'est le grand retour. Il y a ceux qui arrivent, hein, s'il y a des gens qui arrivent. Excusez-moi. Je prenais mon fruit du soir. Voilà, voilà, bah, nous sommes de retour après une longue absence. Hein. Donc, voilà, j'ai dû des petits soucis de santé, je suis navré. Hein. Nous allons recommencer les streams tranquilles. À moindre mesure quand même. Hein. Nous allons y aller doucement, ma reprise. Or ce soir je répondrai à vos questions et aussi bah on va commencer ce super jeu que ça fait un moment que j'attends. Je suis super content de voir comme enfin le commencer ce soir. Donc voilà, on est parti. J'ai tout fait à l'arrache. Y a rien qui est. J'espère que le son est bon, que tout est bon. J'ai un petit peu corrigé aussi le problème de qu'on entendait derrière le micro. Voilà. Bien sûr, j'ai pas fait les réglages. Hein. Tout est fait à l'arrache. Donc on va regarder, on va mettre les sous-titres et vice versa, on va tout mettre. Voilà. Juste faire un test son, voir si tout va bien. Tout m'a l'air d'être bon. Ouais, excusez-moi, ça fait longtemps que l'installation n'a pas tourné, donc franchement, j'y vais doucement. Hein. Ah, pardon, je n'ai pas le chat, j'ai vu qu'il y avait la notification d'un message, mais je n'ai pas vu le message. Navré, tu peux réécrire la personne qui a écrit, je suis navré. Voilà, hop, c'est remis. Voilà, excuse-moi. Je faisais juste un test son. C'est qui vient d'arriver? Bon, tu te manifesteras en temps voulu.
Ah, salut Arashiki. Voilà, bah, on commence une nouvelle aventure. Hein. Fenêtre de parade, non. Je vais faire le jeu en chevalier Jedi. Hein. Si jamais je galère, je passerai certains combats en mode histoire. Voilà. Je vais pas m'emmerder plus, je ne connais pas le jeu. Hein. Chevalier Jedi. C'est la touche longtemps. Par contre, j'aurais peut-être dû nettoyer mes lunettes avant de commencer le live. Pas grave, on fera ça à la pause. J'espère que tu vas bien, Rashiki. Ça fait plaisir de te revoir ici. Et moi très content de reprendre les streams. C'est magnifique, hein. C'est délicat comme intervention. La guilde doublera votre paye. Allez, Cal, un peu de flouze, ça ferait pas de mal, hein? Ok. Ah. Super, on y va. Au travail. T'inquiète pas, au moins ça sera mieux à l'extérieur que dedans. Ah, ici. Je suis juste derrière toi. Oh, le tremblement de la caméra, il va dégager Vissa. Chromatique. Aberration chromatique, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Entends plus le son du jeu que de ma voix. Ah ouais, ça c'est. Bah, je vais devoir parler un peu plus fort. Parce que. Tout simplement, si j'essaye d'augmenter un peu plus le son, ça va faire. Comme ça, vous aurez un bruit sourd. C'est pour ça que j'ai réduit un peu le son du jeu. Par contre, ce que je peux faire, c'est réduire un peu le son du jeu pour compenser. Ça, c'est possible. Il y a les sous-titres. Donc voilà. Ah ouais, c'est un problème que j'avais sur Death Stranding. Et ça me saoulait. Là, j'ai décidé d'y remédier, en fait, tout simplement. Ah là, comme je te dis, là je me suis reposé beaucoup. Je reçois du solumédrol en gélule. Les traitements sont assez lourds. Et là je me suis un peu reposé. J'ai un peu repris en main les choses chez moi. Et voilà. Et alors ce soir, j'avais promis que, comme on m'a offert ce jeu, j'avais promis que je ferais un stream
pour relancer un peu les trucs. Donc c'est un petit peu la bonne franquette, hein. Ce soir tout est fait à l'arrache. Je suis allé me faire des petites courses pour hydrater mes reins, tout ça. Enfin voilà. Parce que en fait je n'ai vraiment plus le droit de manger à part des fruits, tu vois. Et de temps en temps peut-être une petite brioche au sucre, mais j'ai droit à un peu de sucré, un peu de fruits et de la boisson sans, enfin de la boisson conditionnée sans sel. Enfin voilà, je suis un petit peu. Là, j'ai un petit peu vraiment. Là, tu t'adresses vraiment à un gars qui est convalescent. Là, donc. Bah, c'est que temporaire, hein, ce sera que temporaire, hein, donc voilà. Là, il faudra juste être courageux quelques temps, c'est tout. Ah bon, on va reprendre des streams. Il n'y aura plus autant de streams qu'avant, hein, parce que je vais devoir me reposer. J'ai un suivi médical assez dur, donc voilà. Mais voilà. Maintenant que les questions ont été un peu répondues, j'avais déjà répondu à pas mal de questions aux gens de ma communauté. Ça t'a déjà un peu mis au courant aussi. Et voilà, on va commencer les yeux. Allez. J'ai regardé s'il a bien pris en compte mes paramètres sonores parce que j'ai un doute. Ça a l'air d'aller. On verra à quel point les musiques du jeu ont. Les clones, ça rigolait pas. Il a quelques années, pas plus. Ouais, mais il a moins bien vieilli que toi. On n'arrête pas le progrès, comme tu. Ça va, calme. Ah, t'en fais pas. Oh bah c'est cool. Que pour rien au monde j'irai récupérer des explosifs. Ah maintenant je vais un peu revenir sur. Enfin je vais essayer, je vais être mieux attentif sur Twitch parce que c'était pas facile depuis un lit d'hôpital de continuer un peu sa vie. Ah, je devenais fou à l'hosto, hein. La nourriture ça rend dingue, c'est une épreuve. Ah, tu dis ça à chaque fois. Tu te souviens de l'époque où la guilde entretenait tous nos outils? Ouais, c'était le bon temps. Ce contrat impérial, c'est de la bouse de Banta. Faut payer pour entretenir nos propres affaires. Oh, on a deux, plus je déterre, plus j'ai la peur des aiguilles, donc je te dis pas comme. J'ai dit que j'ai la peur des aiguilles et je déteste tout ce qui est un peu corps étranger en moi. Admire-moi ça, voilà. Un vaisseau séparatiste. J'ai eu droit à la pas mieux de l'écureuil que depuis un bail. Ouais, clairement. Ces pièces vont nous rapporter un max. Allez, viens, on y va. Maintenant, on commence à comprendre comment l'empereur aussi. Comment l'empereur y finançait ses. Un peu ses matériaux pour ses véhicules de guerre et sa machine de guerre impériale, parce que quand on voit les. Quand on voit toutes les carcasses qui recyclent. Danger! Danger! Quoi? Hé, hey, tout va bien? Ouais, ça va! Mais y a plus d'échelle! Il va falloir que tu passes par ailleurs. Pas de soucis, je me débrouille. On se retrouve là-bas. Oh, tu prends DBZ le prochain jeu. D'accord. Je savais même pas qu'il y avait un DBZ qui sortait. Quittez cette barge immédiatement. Vous n'êtes pas un déchet approuvé. Je suis un déchet, mais pas approuvé. Bon, si t'as le PC qui suit, c'est mieux de prendre la version PC, oui. Bon, c'est parce que je suis un peu plus à l'aise sur PS4 pour certains jeux, vu l'optimisation. Vu les circonstances, là je suis un petit peu en mode, je suis à la bonne franquette. Hein.
Sangu, laissez que clôt la saga. Sécurité sur ce chantier. Brûle, das brûle. Ah, tu l'as réparé. Tu trouves qu'il est réparé? Brûle, das brûle. Oh, bah, j'ai connu des chantiers qui étaient beaucoup plus sécurisés. Tu panis ce pack à crédito. C'est parce que je suis roux, c'est ça? Sur L1 comme un abruti. Ouais, ça c'est. Il faut le temps que mes vieux réflexes reviennent. Aujourd'hui, vous aurez le Jedi Art critique. Hein. Je peux déjà sentir l'odeur des crédits. Ça va être la grosse fête ce soir. Allez, finissons-en avec ça. Votre là, le doublage est vraiment bien foutu. Franchement. C'est bien fait de mettre la VF. Aujourd'hui, hein, ça sera le Jedi, oui, je le confirme. Oui. Cale le casse-cou. Content de te voir. C'est quel casse-couille. Évite de mourir quand même. Ouais, je vais essayer. Qui ont oublié leurs uniformes en partant. C'est quoi, des rats de décharge? Flippant. C'est bon, je fais que passer. Pas la peine de sortir me saluer cette fois. A tout de suite. Et allons rejoindre notre ami la langouste. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Madame, où sont passés vos cheveux? Je pense pas que ça soit je pense pas que ça soit un Gungan. Si je me souviens bien, c'est une race calamarienne, mais je ne me rappelle plus du nom exact. Elle vit sur Mon Calamari, je pense. En fait, ça reste logique qu'on engage des Mon Calamari pour venir désosser des croiseurs, parce que sur Mon Calamari, ils sont réputés pour faire des gros vaisseaux. Des gros vaisseaux de plaisance.
qui seront plus tard repris par la rébellion, etc. pour être pour en faire des vaisseaux de combat. Ce qui reste très logique. C'est un peu des experts en architecture de grands vaisseaux. Le laser de chantier est là. En avant toutes. Bon, on va s'activer. Ouais, t'as bien raison. Si on désosse pas que le croiseur, on s'amuse à désosser tout ce qui est vieux véhicule, courrière des clones, tout ça. On voit qu'il y a une unité de démantèlement. Allez, faut qu'on termine avant qu'il commence à découper l'aile. Enfilez, enfilez. Je passe aussi vite que je peux. Ils ont vraiment bien choisi le chantier le plus sécurisé du monde, hein, pile au-dessus des Sarlacs. Allez, nique-toi. Comme ça, si un ouvrier ou deux disparaissent dans le ventre de la créature, ça fera un salaire en moins payé. Ils sont malins ces bureaucrates. Ça y est, à toi. Attends. Ok, passe fixé. Ça va? Toujours là. Bon. Tu m'as fichu la trouille. Ah ouais. Ah là, tu chopes toutes les saloperies du monde. C'est bon. Bouge pas, on l'occupe. C'est bon, viens me rejoindre. Viens, je tiens un coup d'œil. C'est un chasseur Jedi. C'est le jackpot qu'on va toucher le pactole avec ça. Je veux dire, ce machin moisi, là, depuis quoi, 4 ans? 5. Ah, celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté. Ou c'est Jedi? Ouais, on a vu, il a dû se faire abattre par des clones, hein, au moment de l'Ordre 66. Oh, moi, j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres. Oui, c'est possible. On dirait que c'est notre jour de chance. L'Empire va pouvoir récupérer du bon matos. Ouais, on récupère la ferraille de ces vaisseaux de guerre qui servira à en fabriquer de nouveaux. Sacré trafic. Quand je pense qu'on risque notre peau pour les patrons, et la paye était meilleure du temps de la République, en plus. Fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qui te dit que je veux m'en aller? Je t'en prie, Cal. T'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi? Arrive un jour. Il faut partir pour vivre sa vie, pour trouver sa destinée. Ouais, si tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. C'était quoi? Tiens bon!
Ok, il faut qu'on... On doit bouger, ouais. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tout ça? C'était toi? C'était la force, c'est ça? Oublie ce que t'as vu, ok? Allez, fais-moi confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a des prix pour les gens comme toi, mon pote. Je suis au courant. Je suis au courant. Ouais, d'accord. On doit faire attention. Ouais. Je suis curieux de savoir, est-ce qu'il se cache ou alors est-ce qu'il qu'il a déjà conscience qu'il est Jedi, enfin qu'il a déjà conscience que c'était un apprenti Jedi ou un Jedi quasiment. À mon avis, ça doit être un peu des deux. À mon avis, je pense plus à un Padawan qui a la formation inachevée. Ouais, ça va. Et toi? Ouais. Cal, ça fait un bail qu'on bosse ensemble. Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça. On en a pas mal bavé, tous les deux. Enfin... C'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh, tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais par ici... T'es en danger. Peut-être que tu devrais disparaître. Je dois absolument repasser chez moi et prendre mon sac. Ta peur, ça a une dette envers moi. Je crois qu'il se trouve sur Nar Shaddaa. Ouais. On va plus voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. Bah, d'un autre côté, c'est la meilleure, comment dire, c'est la meilleure des dissimulations pour un fugitif, parce que personne n'irait se douter. Plus t'es proche de l'ennemi, plus t'es en sécurité. Voilà. Personne pourra aller se douter qu'un Jedi voudrait se foutre directement sous le nez de l'ennemi. Beaucoup emploient ce genre de stratégie, hein. Ça s'est vu dans Star Wars Rebels où t'as Kanan qui s'habille carrément en contrebandier et qui utilise un blaster, hein, qui utilise plus de sabre laser pour rester discret. Hein, voilà, et, hein. Prof, attends! Où tu vas? As-tu déjà suivi une langouste toute nue dans les vestiaires? Regarde, qu'est-ce qu'on a mis dans ma boîte à tartines? Oh, ça y est, il est en train de triper. Je savais que j'aurais pas dû respirer ce pot d'échappement. Mon apprenti, écoute-moi sans faillir. Maître, n'accorde ta confiance qu'à la force. D'accord, il se fait. Le train n'avance plus. Des rêves spéciaux. Et c'est mauvais signe. Tout le monde debout. Contrôle d'identité. Un soupouche. Bon, mettez-vous en ligne. Sûrement une de ces inspections de routine. Thank you.
les sœurs inquisiteurs, enfin les sœurs et frères inquisiteurs, comme dans Star Wars Rebels. Hein. Dans Star Wars Rebels, il y en a la moitié. Et dans le jeu ici, normalement, il y a la moitié des, est-ce qu'ils des sont frères tous et là sœurs aussi. Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme Ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. C'est triste à dire de les, comment dire, de les considérer comme des ennemis maintenant. Parce que c'est pas vraiment, pas vraiment de leur faute s'ils sont méchants. Sera alors ils ont cédé, c'est sur tout. Le champ. C'est avec des outils au service de l'Empereur. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais Kador. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités. On sait tout ce qui se passe. D'accord, il a toujours son sabre laser sur lui. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire... Fais pas le choix. Nous valons absolument rien. Oui, c'est vrai. Non ! Voyez-vous ça, un sabre laser. Je maîtrise le Jedi. C'est quoi? Contrôle de la perturbation. Ça fait mal. Stop, ne bougez plus. Qu'est-ce que vous faites ici? On se calme. J'ai un fugitif. Jedi! Que je m'arrête. J'ai préféré me reposer. C'est comme ça que je me prépare. C'est comme ça qu'on se prépare à la mort. On n'a pas le temps de se reposer, Stormtrooper.
localisé. Bah alors quoi? En même temps, faut pas s'entendre à grand chose des... Ah, les éclaireurs. Je t'attendrai. D'ailleurs, si vous regardez la série Mandalorian, si vous regardez l'épisode, le dernier épisode d'aujourd'hui, il y a eu un passage très rigolo avec deux Stormtroopers débiles quoi, de ce genre-là qui se sont retrouvés, comment dire, avec plus de mains. Tu te sens mal ? T'es plutôt rapide, on dirait. Je suis pas très habitué des Dark Souls, hein, donc voilà, c'est un petit peu un petit temps pour moi que je m'habitue. Je te vois. Bloque tant que tu veux, ça durera pas. J'essaye d'en éliminer un d'entrée de jeu pour être pour pas me retrouver emboîté directement par les quatre d'un coup. Surtout que la surface de combat est un peu lisse. Yeah.
Désolé, hein. Pas de soucis. Santé d'abord, tout comme la mienne. Va à l'avant. Arrête le train. Non ! Il me faut un abri. Je dois foncer entre chaque rafale. Maintenant ! Ils n'ont jamais fait une canonnière comme ça en Lego, c'est dommage. C'est une espèce de... En fait, c'est un petit peu... Plus vite ! Au-dessus de la canonnière clone, mais on a tombé. C'est un genre de petit hélicoptère en fait, des sorties. Véhicule qu'on aperçoit beaucoup dans Star Wars Rebels. Ils ont détruit le conteneur. Un débarquement pour mettre des stormtroopers dessus. Il faut monter. Êtes-vous ? Pas le temps ! Continue, allez ! On te récupère dès qu'on peut ! Oh,
profite au fond du boss parce que j'ai besoin de boire. Minutes, on n'est même pas vraiment démarré dans le vif, quoi. S'est arrêté. Tu vas quelque part. Je reconnais cette posture. Alors tu as été formé finalement. Qui était ton maître, Padawan? Une de mes victimes peut-être? Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi tu puisses vivre? Thank you.
est timide. Tu as peur, on dirait. Ta fin est proche. Je ne peux pas fuir. Éteins-moi ce truc et assieds-toi. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui exactement ? Mon nom est Serejunda. Et voici mon capitaine, Gris Dritus. Comment ça va ? Le Mantis est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Alors, qui es-tu ? Cal, Kestis. Et cette femme, c'était qui ? Une inquisitrice impériale. Une adepte de la force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui tu es, elle ne s'arrêtera pas tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça? Et pourquoi vous m'aidez? Nous épions toutes leurs communications. On connaissait l'itinéraire des inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment? Non, mais t'as entendu ça? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça que tu es encore en vie. Mais il y a beaucoup plus en jeu que de survivre. Comme quoi ? Faire renaître l'ordre Jedi de ses cendres. Vous deux ? Et personne d'autre ? Oh, on n'est pas assez bien pour toi ? Et le Conseil Jedi ? Disparu. Donc vous n'avez que moi. Capitaine, nous allons sur Pogano. D'accord. Et pendant ce temps-là, tâche de te reposer. Tu ne crains rien. Pour l'instant. Tu dois partir pour vivre ta vie. Pour trouver ta destinée. Cal, attention ! T'es au courant que tu causes endormant ? Cinglé. Thank you.
cette ère. Je l'ai composée. Il y a longtemps. En touchant un objet, tu vois les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. C'est un écho dans la force liée à cet objet. Peu de Jedi ont cette capacité. Comment vous savez ça? J'ai été un Jedi. Mais plus maintenant. Est-ce qu'on se connaît? Non. Mais je connaissais ton maître, Jarro Tapal. C'était un vrai gardien de la République. C'était un vrai héros. Écoutez, il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais ma connexion à la Force a été endommagée. En méditation, si jamais je baisse ma garde, je perds le contrôle. J'ai l'impression de revivre ce moment où... Tu es vivant, Cal. Et tu n'es plus seul. C'est terminé. On approche de notre destination. Jedi que je connaissais à la découverte avant la purge. Tu ne la trouveras sur aucune carte. L'Empire ne sait pas que cet endroit existe? Non. Alors, quel est le plan? Se cacher ici? On ne se cachera plus, Cal. Tu vois ce bâtiment là-bas? Je pense que ce sanctuaire renferme la clé pour recréer l'ordre Jedi. Mais seul quelqu'un qui maîtrise la Force peut réussir cette épreuve. Et comme vous n'êtes plus Jedi, vous avez besoin de moi. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Et moi aussi, j'ai encore des doutes à ton sujet. Mais nous avons un adversaire commun. Et une cause commune. Je t'en dirai plus quand tu auras rejoint le sanctuaire. Mais bon, en attendant, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Que la Force soit avec toi. Ça doit être un Jedi que je cherche. Mais s'il y en a déjà un ici, pourquoi Serré a besoin de moi? Qu'est-ce que... Hé, hey, Grise, c'est quoi ce truc? Quoi? T'avais jamais vu un terrarium avant? Si, mais on n'est pas censé y mettre des plantes. Hé, hey, dis donc, j'ai été plutôt occupé à te trimballer dans toute la galaxie. Tu pourrais peut-être me remercier en me trouvant des graines. Tu détestes pas la nature? Je la déteste à l'extérieur. Mais derrière une plaque de verre d'Ombara bien épaisse, il n'y a rien de plus beau. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Énormément de compétences. Si chaque petit trou c'est une compétence, bah putain.
on voit que le bas du sabre laser est pété, hein. D'accord, il te donne déjà le vert et le bleu. On va rester au bleu. Apparemment, c'était le sabre laser de Gerard Topal. Hein, donc, c'est pas le sien, il l'a pas fabriqué. Fouiller un peu le vaisseau, peut-être qu'il y a une pièce à bord, enfin c'est ce qu'on m'avait dit, peut potentiellement une pièce à bord du Mantis, donc fouillons. Ça me permet d'avoir une pièce du bas de sabre. Qu'est-ce que tu fais, petit gars? Pourquoi tu rôdes dans mon vaisseau comme ça? J'y jette juste un coup d'œil. T'as pas autre chose à faire? Tu sais, plus vite t'auras terminé, plus vite je serai débarrassé. Je reviens tout de suite. Vas-y, Cal, nous t'attendrons. Je vais surveiller ce que fait l'Empire. Je croyais que vous aviez dit que l'Empire ne connaissait pas cet endroit. Un instant. Bon, on est au début du jeu, à mon avis, ça viendra en son temps. Donc, on va y aller. On va avancer. On va régler un peu la formalité. Donc, ce n'est pas le sien de sabre laser. À mon avis, quand son maître est mort, il a dû piquer la partie supérieure du sabre. Et voilà. On est sur PS4 normal, pas pro. L'endroit a l'air sûr pour méditer. Il faut seulement que je me concentre. Je ne sais pas si avec le temps ça va s'améliorer. Ouais. Salut, BD1. Moi c'est Cal. Ouais, ça va, mais je voudrais trouver quelqu'un. Non, pas toi. Je recherche un Jedi, je crois. Attends, tu le connais? Qu'est-ce que tu sais? Hé, hey, t'en vas pas! T'as piraté ce truc? Merci. Le sanctuaire dont Céré m'a parlé. Celui que je recherche doit se trouver ici.
Une suggestion ? Il faut que je parvienne à franchir ce gouffre. Une tyrolienne ? Comment t'as su que ça marcherait ? Hein ? Tu savais pas ? C'est verrouillé. Je te crois, mais je voudrais aller voir quelque chose de ce côté. C'est quoi cet endroit ? Le Jedi venait ici pour étudier la sphère en haut. Je sens encore l'enthousiasme.
Attention là-bas. Ça a l'air dangereux. Comme l'impression c'est là, pareil qu'à la plan, décharge. Tiens bon, Média, j'arrive. Quelqu'un s'est servi de cette pièce comme entrepôt pour stocker vivres et matériel. Hey, c'était plutôt courageux. Ça va pas? Attends, je peux peut-être t'aider. Tu veux bien? Oui. Oh. D'accord. Voyons. L'interconnecteur m'a l'air HS, mais ça devrait t'aider à te déplacer pour l'instant. Et voilà. Et c'est ça. Le sanctuaire? Ouais, c'est là-bas que j'allais. Ok, alors. On doit d'abord trouver un moyen de sortir d'ici. Mais ça devrait aller. BD, c'est un peu étroit pour moi. T'en fais pas, je trouverai bien une autre sortie. Je dirais que ces plantes mènent quelque part. Faut pas qu'elles lâchent. Lol. Je vais m'en remettre. Ok, c'est pour t'initier aux soins. Estime de soins. Toi, t'es plein de ressources. Ça,
Ça fait du bien. Merci, petit droïde. Ok, on va réessayer. Ok. Oh, tout le monde à bord. Bon, d'où tu débarques? Tu te souviens pas? Un droïde peut être amnésique. Oui, tu marques un point. Encore, il y a une carte comme dans Dead Space, non? Qui permet de... Le droïde avec son projecteur holographique qui montre la carte. Très, très bonne idée, d'ailleurs. Hé, hey, un coffre. Tu crois que le Jedi nous laisserait nous servir? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Oh! BD1. Que celui de Luke. En fait, à la base, c'est un double lame. Et donc, avec les bons réglages, bah, vous pouvez faire vraiment une lame comme vous en avez envie. Et je pense que plus tard dans le jeu, vous pourrez carrément. Par contre, la poignée Gyro de Tapa, elle est complètement pétée. Hein. Faut vraiment la refaire. Ça a l'air cosmétique, hein, ça n'a l'air d'apporter aucune fonction à la puissance de ton personnage ou du sabre. Au moins maintenant on a un sabre laser qui ressemble vraiment à un sabre laser, c'est déjà bien. Il restera plus qu'à remplacer le bas parce que bon. Vous me voyez, on dirait franchement que le cristal va foutre le camp en fait quand on regarde la poignée de près. Directement prendre ce raccourci, ce n'est pas grave. C'est là qu'on doit aller, je peux le sentir. Oh.
J'ai besoin d'un steam. Je te remercie. Oh merde. Ils ont l'air rares et précieux. Moi, comme un con, je les ai gâchés. J'en ai gâché. T'as fait une carte des lieux qu'on a traversés ? Je peux pas passer par là. Il faut qu'on trouve un autre accès. Où est-ce que tu vas ? T'as trouvé quelque chose, BD1 ? Fait l'intégralité des Steam quand on se repose, ça roule. Cet outil a servi à quelqu'un pressé d'aller au sanctuaire. Oh mieux bah oui bah je dois être courageux et vivre avec cette maladie, je ne sais pas faire on doit s'enfuir. Je ne sais pas faire grand chose de plus. Je vais devoir Ça va être un peu plus long, il y aura un peu moins de stream. Ouais, insuffisance rénale, j'ai une glomérulonéphrite aiguë. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que mes reins ont failli lâcher définitivement. Et donc donc je reçois du solumédrol à la maison, je reçois des médicaments pour protéger mon estomac, je dois doser mon solumédrol, je dois couper mes comprimés, etc.
Et ils m'ont lâché hier avec. J'ai un dossier comme ça de médicaments à prendre. Ça m'a coûté extrêmement cher. Et aussi, alimentation générale, je ne peux pas bouffer. Je ne peux pas bouffer une alimentation de quelqu'un de normal tant que j'ai le Solumédrol, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, Solumédrol génère beaucoup de sel. Enfin, génère produit peu. Et donc, si je mange du sel, par exemple, mange salé, je risque je risque d'avoir trop de sel. Et je risque de foutre en l'air mes reins définitivement. Donc voilà, donc il va falloir être courageux. C'était assez sévère, hein, ce que j'ai eu. Ils m'ont quand même gardé 2 semaines à l'hôpital. Voilà. Donc j'ai dû de reprendre en douceur. Mais là, ma famille, ma famille est comme ça, hein, ils ont peur que ça rate. Ma famille est comme ça. Ça peut mal tourner, THX, donc. Voilà, maintenant j'essaye de faire ce que j'ai à faire au jour le jour. J'essaye aussi de bouger pour essayer d'évacuer mes selles, enfin pour évacuer le sel que j'ai dans le corps, pour pas avoir des overdoses de sel. Voilà, dû au fait aussi que c'est ma maladie de Crohn, c'est ma maladie de Crohn en fait qui m'a posé problème et le régime de vie que j'avais en fait, tout simplement. Donc en fait, si tu veux, mon alimentation pour un moment, ça va se gérer entre des fruits, un peu de brioche au sucre et au gluten, et quelques boissons triées sur le volet. Parce que de nos jours, tu sais, il y a plein de sel dans le commerce, hein. Tu peux acheter un Lipton Ice Tea et tu peux avoir sur l'étiquette 1 gramme de sel. Bah ça, je ne peux même pas, tu vois. Là, ça a changé. Mon père essaye de cuisiner sans sel. Il va faire de la cuisson vapeur. Enfin voilà. La diététicienne, directement venue dans ma chambre d'hôpital. Seulement à l'hôpital, voilà, dans un hôpital, on te nourrit mal, voilà, je me suis dit, j'ai préféré vraiment recevoir mes médicaments et abréger le séjour parce que je devenais fou. Ah, la femme, enfin, directement, la femme est venue, elle m'a expliqué, elle m'a dit ce que je pouvais manger, elle m'a dit de surveiller les étiquettes. Et bon voilà, donc je tourne entre de l'eau plate congelée, de l'eau gazeuse pour boire et du thé à la pêche faible calorie. Voilà ce que je prends. Mais c'est que temporaire, hein, le Solumédrol. Je vais pouvoir remanger et tout, mais là, le temps que mes reins se remettent bien, je dois prendre le traitement de Solumédrol. C'est très important parce que j'ai failli finir sous dialyse, hein. J'ai failli finir sous dialyse. Mais bon, d'autre côté, ouais, je mange des fruits quoi à la place. Donc, comme j'ai pas voulu me laisser abattre, j'ai repris un peu les choses en main. J'ai repris les choses en main. Je me suis réoccupé de la maison qui était inoccupée depuis 2 semaines. Et voilà quoi. Donc je reprends tranquille. Il y aura beaucoup moins de stream qu'avant parce que les traitements sont très lourds et j'ai besoin de me reposer. Et je ne peux pas faire trop d'efforts parce que tout ce que je consomme, tout ce que je consomme, je ne peux pas me nourrir correctement. Donc, j'habite seul. Non, j'habite avec un membre de ma famille, mais. Voilà, pour la personne qui est avec moi, c'est très dur pour elle aussi. Hein. Très dur. Ça va coûter de l'argent, ça va coûter cher. Il faut que je revoie mon aliment. Enfin voilà, des trucs, revoie mon alimentation. Par exemple, aujourd'hui, j'ai dû y aller en mode dépannage, tu vois, parce que 80% des trucs ici, je ne pouvais pas bouffer. Je n'ai que de la compote de pommes, des oranges et. Des oranges, j'ai du thé à la pêche avec 0,01 gramme de, enfin 0,011 segment de sel
dedans faibles calories que je peux boire. Je bois de l'eau gazeuse et c'est tout. Ah, mais là, c'est des médicaments, tu sais, un peu sous commande. Tu sais, c'est ça, c'est le solumédrol. C'est du médicament très qu'on donne carrément à des gens qui ont des cancers du rein. Si, pour te dire, rien que sur le matin, je me lève, j'ai un médicament qui s'appelle Pantomède à prendre. Oui, l'eau gazeuse, en fait, tant qu'il est marqué, en fait, derrière l'étiquette de l'eau gazeuse, il est marqué 0,0,0,0% partout. J'ai bu une chaux-fontaine tout à l'heure, ça s'est bien passé. Et puis j'avais posé la question, parce que moi, parfois, j'ai besoin de rôter. Donc j'ai demandé au toubib si l'eau gazeuse, donc j'ai pris une eau gazeuse chaux-fontaine avec qui était parfumée au citron là. Voilà. Et il n'y a rien dedans, il faut que. Il n'y a rien dedans, il faut juste pas. Enfin, il faut juste plus de phosphore. Enfin voilà, plus de phosphore. Il faut faire gaffe au sel. C'est que temporaire hein, le sel. Mais le sucre, les fruits, tout ça, c'est à volonté. Tant que je me déclenche pas un diabète, mais j'ai une glycémie qui a une fâcheuse tendance à chuter, tu vois. C'est un petit peu le problème, parce que je vis déjà avec une maladie de Crohn à la base, tu vois, donc c'est un petit peu. C'est un petit peu le. Putain, la grenouille! Enfin voilà, je vis déjà avec une maladie de Crohn. Donc je dois gérer deux maladies en même temps. Aujourd'hui j'ai pas arrêté de courir, hein. C'est pour ça que moi il a fallu que je reprenne en main les choses ici. Il a fallu que. Oh, de toute façon ça. T'es fini. Bon voilà, là pour l'instant je suis un petit peu en mode repos. Je profite du nouvel an parce que me reposer, je souffrais d'un manque de sommeil aussi. Voilà, moi je dois. J'ai un suivi médical dans les prochains jours. Là, c'est juste que jusqu'au 9 janvier, on me laisse tranquille. Mes circonstances ont fait que là, mes obligations professionnelles, mon état est jugé trop grave pour que les obligations professionnelles me faire quoi que ce soit. Là, les médecins ont stipulé que je devais me reposer et éviter de faire grimper ma tension aussi, parce que c'est les pics d'hypertension qui ont déclenché tout ça. Sans compter que je déteste l'hôpital et que j'aime pas les stress que j'ai eu. Enfin, j'ai des stress que j'aime pas l'hôpital. Je n'ai pas aimé du tout la sonde. Voilà, la sonde m'a orchestré beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Pour que je puisse avoir et commencer une récupération complète, ils se sont dit c'est mieux que je rentre chez moi. Ah, mais ça je peux plus, là. Même si je dois marcher en rond ou des trucs ainsi, je dois quand même essayer un minimum de actionner mon organisme pour pas que j'ai un excédent de sel dans le corps.
BD1, Steam. Balance. Visite à l'hôpital. Oui, bah j'ai eu mon papa qui venait quelques fois, mon frère et ma belle-sœur qui venaient quelques fois. Mais tout le monde a sa vie et moi, moi je m'occupe très mal de moi. Hein. Faut dire ce qui est, je m'occupe très mal de moi tout seul. Et là, ça va être une. Là, j'essaye de faire de mon mieux, mais c'est. Ah, sur mon stream. Sur mon stream, bah t'es un des gros premiers qui passe. J'ai eu quelques visiteurs par-ci par-là, mais temporaires. Excuse-moi, je pensais que tu parlais de la clinique. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé que des visites. Ouais, on t'avait promené tout à l'heure, mais il est un peu dissident, hein, je sais pas ce qu'il a. Le problème c'est que je suis un petit peu atrophié musculairement et s'il se sauve je ne saurais jamais le rattraper, donc on va doucement. Ça veut pas marcher. Ça fait deux semaines que le chien il pète des plombs tout seul et que quasiment personne s'est occupé de lui. Déjà qu'il a beaucoup maigri, déjà qu'il a de beaucoup maigri, je le goinfre beaucoup parce que. Ah non, ça a été fort impactant là. C'est pour ça que je vais doucement là. Je me suis dit après tout ce que je viens de faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'était un petit peu la journée, tu vois, transition. Il fallait rentrer, il a fallu aller au pharmacien avant dimanche parce que j'ai besoin de mes médicaments absolument. Voilà, après mon père voulait essayer de cuisiner pour le nouvel an, de faire quelque chose. Il a fallu qu'on me trouve de quoi tenir, de quoi manger, de quoi au moins grignoter, genre des compotes de pommes ou des trucs ainsi, voilà. De la brioche au sucre et au gluten, voilà, du thé à la pêche, de quoi boire. Et j'ai de l'eau, et je bois de l'eau, 2 litres par jour. Par obligation. Ah, du pain, mais il faut que le pain il soit conditionné et vraiment soit sans sel ou très allégé en sel. Ah, quand je te dis que c'est sévère ce que j'ai eu, c'est vraiment sévère. Hein. J'ai vraiment failli perdre mes reins. Pour le coup. Ah, ouais, j'ai une liste. J'ai une liste et je me fie aux étiquettes. Genre, tu vois, j'ai bu un Minute Maid à la pomme en canette. Tant qu'il est marqué 0000 pour 0 partout, il est marqué sucre et 100% fruits sur la canette. Enfin, sur l'étiquette de la canette. Ça, par exemple, je peux boire. Parce qu'il n'y a pas de sel. C'est des fruits. Je m'en fous d'avoir... d'avoir allé un peu aux toilettes. Mais bon, voilà, c'est... Au moins, je peux boire quelque chose et avoir un peu de tonus. Mais bon, j'ai toujours ma tête. J'ai toujours les jeux. Tant que je peux quand même boire un petit coup. Oui, je vais te dire, il y a bien des tribus dans le monde qui boivent. Il y a bien des tribus dans le monde qui mangent que des fruits tous les jours, ils en meurent pas. Hein. Donc, voilà. Ah, je bois du thé à la pêche glacé. Basse calorie. Et j'ai acheté, là, pour le week-end, j'ai pris une.
Puis j'ai pris un cake. Un cake, une brioche au sucre et au gluten. Et on va manger. Je vais manger des. Et mon père va faire de la cuisson vapeur. Et je vais essayer de bouger un petit peu pour bouger un peu pour être un peu pour évacuer pour évacuer un peu le corps parce que voilà comme ça. Voilà, ça va être un peu laborieux, mais bon, on va s'en tirer. Super. Pour mon pied, j'explore. Un scan. Je suis vraiment dans la planète du début. Hein. Je suis vraiment ultra. C'est vraiment ultra dirigé. Le jeu se porte un peu vraiment qu'un peu comme un Dark Souls en fait. Alors pour les premiers instants, t'es un petit peu, t'es obligé d'être sur Bangano en fait. Et après, t'es le mode libre après quelques heures de jeu. Ah, tu seras souvent amené à revenir dans certaines zones en fait pour revenir chercher des objets plus tard parce que tu auras telle ou telle compétence que tu n'auras pas eu. Personnalisation du sabre laser a l'air sympathique. On peut vraiment modifier de la tête au canon de la tête au canon son sabre laser. Le jeu a fait un pari risqué en lançant une histoire un peu comme ça, mais tu vois quelque chose ? Le jeu démarre bien et c'est vachement cool niveau. C'est bien amené et bien mis en scène en fait. En fait, il a une espèce de le héros a une espèce de mémoire tactile et il arrive à accumuler des compétences avec en touchant le passé des objets en fait. Essaie encore. C'est difficile, maître. Oui, je sais. Cette voie n'est pas facile. Elle peut même te sembler impossible. Mais la persévérance et la force sont d'excellentes alliées. Elles t'aideront à surmonter tous les obstacles. Ta maîtrise sera totale. Maintenant. Fais ton possible pour m'atteindre. Ouais, je suis vraiment encore qu'au tuto, hein. Allez, rejoins-moi ici. Ok, il a appris le fait. J'ai réussi. La persévérance et la force sont mes alliés. Je me rappelle juste de quelques trucs. Maintenant, avec cette compétence, ça va me permettre justement d'aller chercher des objets. Là où je ne pouvais pas aller. Maintenant, je peux marcher sur les murs où il y a des stries. Voilà. On est un peu plus mobile. Tu peux me remontrer ce raccourci ? Ok, donc je suis là. On va aller ici. En fait, je cherche un temple Jedi secret sur Bogano.
Et au début, je travaillais comme ferrailleur. Enfin, je suis un apprenti Jedi, mais qui se cachait parmi des ferrailleurs pour échapper à la justice impériale, en fait, tout simplement. Bon, ce qui s'est passé, c'est que par un concours de circonstances, il a fallu que je sorte mon arme et que j'affronte les inquisiteurs. Ce n'est pas son sabre laser, hein, c'est celui de son maître. Parce qu'apparemment, il n'a pas eu le temps de fabriquer le sien. Du coup, avant de partir, il a eu le temps de ramasser la partie supérieure du sabre laser de son maître, enfin de son maître Jedi. Et donc en fait, on peut voir que le bas du sabre est un peu pété en fait. Voilà. Donc, c'est un sabre laser à la base qui est sûrement un double lame. Donc le bas du sabre est pété parce que le sabre a été coupé en deux à mon avis pendant la bataille. Ah, donc il faut le donc on peut le. C'était le remplacer. Une zone de méditation pour quelqu'un connaissant l'ordre Jedi. Donc on peut remplacer. J'ai déjà remplacé une pièce d'ailleurs, j'ai déjà remplacé le haut de la lame pour faire une lame simple, tout simplement. BD1. Bien sûr, il y a un aspect personnalisation aussi. Tu peux changer de vêtements, de poncho, etc. Enfin... Alors, le jeu peut être punitif si tu n'apprends pas un minimum les patterns des combats. J'ai quand même mis la difficulté normale, ce qui est quand même, elle est quand même assez exigeante en fait. Donc, voilà. Ce sac appartenait à quelqu'un de Coruscant. Cette personne en voulait au Conseil Jedi. Ouais, donc il est un petit peu encore faiblard sur les bords, hein. Il ne peut pas encore déplacer des objets par la pensée. En fait, en gros, son lien avec la force a été un petit peu endommagé, comme il dit. Je savais même pas que c'était possible de faire ça.
tard, ça va devenir un peu plus, peut-être un peu plus simple parce que. Ah, c'est vrai que le jeu se rapproche très fort d'un Dark Souls. Ah, il y avait quelque chose là-dedans. Nouvel interrupteur de sabre obtenu. Courage et sagesse. Ouais. Essayer de finir Bangano ce soir hein. Parce qu'après en fait tu fais le jeu comme t'as envie. Le jeu est très libre, il y a plusieurs planètes, le jeu est assez riche qu'on m'a dit niveau décor, des planètes connues aussi, sans compter les missions de l'aventure principale. Enfin voilà, il y a aussi plein de quêtes secondaires parce que en fait comme on est un apprenti Jedi, on est traqué, donc on a des chasseurs de primes qui voudront nous tuer, etc. Enfin, qui voudront notre tête. Et donc voilà, il y a énormément de choses à faire, des boss cachés, etc. Et on va faire le 100%. Hein. Je vais passer du temps à explorer toutes les planètes. Quitte à aller chercher même les solutions sur Internet, mais je vais vraiment tout faire. Faut dire aussi, il y a beaucoup de problèmes au niveau. Enfin, les gens en savent plus trop, hein, parce que il y a eu pas mal de. Enfin, s'il y a bien une licence de jeu qui a des soucis à être développée, c'est bien la licence Star Wars, parce que on a eu pas mal de jeux Star Wars qui ont été mis en chantier, puis abandonnés. Voilà, il y a eu pas mal d'abandons. Ouais, comme 13-13, justement celui-là qui me venait en tête. Ça a été le rachat par Disney qui a causé pas mal de... Je me souviens de cette période, hein, c'était en plein boom, hein, cette époque-là. Ça m'attriste un peu parce que je trouve que les gens bâchent quand même... En fait, je me montre tolérant parce que on bâche un peu fort le 9, enfin la nouvelle trilogie. Parce que pour moi, quand je vais au cinéma, j'attends de voir la vision d'un autre de Star Wars, pas obligatoirement la vision dans laquelle on m'a appris dans les livres et le cycle de Thrawn. Voilà, donc, même s'il y a quelques trucs qui sont un peu débiles, ça je l'avoue. Ça se demandait si à certains, si la fanbase avait quand même pas peur. Ok, d'accord, t'aurais probablement gagné. Probablement. Ah, et il y a des gens, j'ai entendu des gens dire j'ai aimé le 9, j'ai aimé la nouvelle trilogie, elle prend tout son sens. Moi franchement j'ai pas encore vu le 9, mais je vais pas le détester, même s'il y a des trucs aberrants qu'on m'a expliqué, mais je vais pas le détester non plus. Certes il y a des trucs qui pourraient être vus, mais je vais pas la détester non plus. Aucun film ne pourra jamais vraiment plaire à tout le monde, ça c'est un peu. Qu'est-ce que c'est? Faut juste pas agir comme un vieux con et pas engueuler les acteurs ou les réals, ils y peuvent rien quoi. Quoi?
vie, dans la vie, on a des contraintes, hélas, on n'est pas toujours en mode... C'est l'industrie d'aujourd'hui du cinéma. Hein. Non, j'irai pas quand même juste pour le pognon, comme j'ai dit THX. Peut-être que c'est ce que tu as l'impression, mais on fait pas toujours ce qu'on veut dans le cinéma, je pense. Je pense que parfois t'as des contraintes et je pense que les mecs ça les fait vomir parfois de changer leurs idées. C'est par exemple, est-ce que ça va, BD? Pour Star Wars, bien c'est joué. La vision que de Kelly Marie Tran quand tu as brillamment passé mon épreuve. Cette pauvre fille qui est au sanctuaire et à cet enregistrement fille. Qui est l'un des nombreux fichiers cryptés qui se trouvent dans ce droïde. Je suis Maître Eno Cordova. Ton nom m'est peut-être inconnu, mais je connais bien ton objectif. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'Ordre Jedi. Ce temple, ce... Sanctuaire est un endroit sacré, bâti par une ancienne civilisation qu'on appelait les Efo. En méditant en ce lieu, j'ai eu comme une prémonition de la Force, une vision de mort. J'ai dissimulé un holocron Jedi au sein de ce sanctuaire. Les noms de tous les enfants de la galaxie sensibles à la Force et leurs emplacements se trouvent dans cet holocron. La chambre intérieure du sanctuaire est juste devant toi, mais une autre épreuve t'attend. Je ne peux confier cet holocron qu'à une personne qui a su suivre mes pas et qui me comprend. Il te faudra trouver les tombeaux cachés des trois sages et apprendre à percevoir les mystères de la Force comme l'ont fait les Efo autrefois. Dans ce droïde, tu trouveras ce dont tu as besoin afin que ta quête soit couronnée de succès. Va sur la planète des Efo. Là, tu y trouveras la paix au cœur de la tempête. Bonne chance, Jedi. Et que la Force soit avec toi. J'imagine que tu es celui que je devais retrouver. Oui. Ça fait longtemps que je suis tout seul. Je me cachais, sans but précis, isolé. C'est pas une vie, tu sais. Pas pour un Jedi. Ou un droïde. Peut-être que Serré avait raison. Il ne faut plus se cacher. Ah, faut pas être trop sévère, THX, hein, faut... Hey. C'est vrai que t'es un petit peu J'aimerais vieux, que je te présente un peu vieux jeu, j'ai l'impression, mais... Quelques-uns de mes amis. Mais voilà, il faut que t'essayes, tu vois, avec toutes les ouvertures d'esprit. Faut que t'essayes un peu plus large d'ouverture d'esprit. Malgré tout, faut que tu te mettes à la place aussi d'un réal ou d'un acteur qui c'est pas simple. Parce que parfois, certains acteurs n'aiment pas travailler avec certains autres acteurs parce qu'ils s'entendent pas, hein. Oh, c'est un petit peu... C'est beaucoup de contraintes, hein, le cinéma. C'est pas si simple que ça. J'essaie d'avoir une approche un peu plus mise sur la tolérance. J'ai trouvé ce que vous vouliez que je voie. J'ai l'impression, en effet. Nous t'attendons. Prodigy, c'était plutôt calme comme planète. Il n'y avait quasiment pas de Stormtrooper à tuer.
Ah, plus de HX, merci d'être passé. Restez un PV, j'y crois pas. Ouais, bah merci, prends soin de toi aussi. Ah, je survivrai, je vais juste respecter ce qu'il y a à la lettre sur la feuille. Et il arrivera ce qui est le destin, et si le destin veut que je perde mes reins, je les perdrai, mais c'est pas grave. Enfin non, c'est pas grave, mais je ferai gaffe. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas, en tout cas. Je vais surmonter tout ça et ça ira. Ça m'étonnerait fort que le sort s'acharne, hein. J'ai bien repris, donc ça doit. Donc le mec arrive quand même à glisser sans être boueux. Grenouille, elle a l'air d'avoir un pattern chelou quand même. Ok, on peut rejoindre le Mantis. Tu peux pirater ça? Navré pour ton connecteur. Mais faire face à ce Bograt, fallait oser. Qu'est-ce que c'est, BD1?
commence à se faire tard, je vais essayer de me ramener au plus près du... Je vais aller voir ce que je peux faire pour mon sabre laser. Il y avait un camp ici. Au plus près du... Sûrement quelqu'un sur les traces d'une créature géante vivant par là. Un binog, apparemment. Du mantis, et on... Et après la save, ben, je m'arrêterai... Je m'arrêterai là, ça sera... On aura fait une belle entrée en matière dessus. Par contre, je dois vous avouer qu'on se paume. Hein, c'est... Comme moi, vous allez un peu trouver votre chemin au début. Oui, les gens qui m'ont dit que j'ai dû jouer deux fois pour kiffer, parce que à moins que qu'il y ait un new game plus. Mais d'accord. Cette créature a l'air dans son élément. Protecteur de Bogano ? Je croyais que c'était toi. Un Bilrog de Morgoth. N'assume pas ce jeu de mots. Ça m'étonnerait qu'on déglingue toutes les créatures quand même qui passent à notre portée, parce que bon, on peut pas bouleverser l'équipe de la force non plus sur beaucoup de planètes, sur des planètes, hein, je sais pas. Yeah!
t'envoie. Yeah.
Oui, c'est moi qui juste tire pas chercher au bon moment. Mon ami, il semble que les effets portaient de l'intérêt à Datomir. C'est étrange que cette civilisation aussi pacifique soit fascinée par un endroit si sombre. Ça nous permet de débloquer des planètes et on a Datomir. Ouais, Datomir c'est un vrai coup de jarret. Hein. Je me rappelle cette planète dans Clone Wars, c'est vraiment. Médéen, par ici. Ouais, regagnons le Mantis, ça sera bon. Ça devrait aller plus vite qu'elle allait. Il est vraiment bien le Mantis, je connais pas ce modèle de vaisseau là. Ça y est, tu as réussi. Vous étiez au courant pour BD1 ? Monte à bord, et on va en parler. Oh, BD1, ça c'est Grise. Salut Grise ! C'est quoi ça ? Vire de mon canapé ! Ouch ! Descends de là ! Allez, fiche le camp ! Allez ! Ça, c'est BD1. Il est avec nous. J'en ai rien à faire. Est-ce que tu sais à quel point c'est compliqué de nettoyer des taches d'huile sur du tissu en poil de potoli ? Non, pas vraiment. Ah, oh, j'espère que tu nous as ramené autre chose que ce droïde. Oh, du calme, Grise. C'est le cas. Vas-y, Cal. Le sanctuaire a été construit par une ancienne civilisation, les Efo. Un Jedi nommé Eno Cordova y a dissimulé quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a caché ? C'est un holocron des archives. Contenant une liste d'enfants sensibles à la Force. La prochaine génération de Jedi, je le savais. Ah, Cordova, vieux brigand. Vous le connaissez ? Oui. Il y a bien longtemps, j'étais son apprenti. Cordova était solitaire. Ce petit droïde et moi sommes sans doute les seuls à savoir pour Bogano. Oh là, attendez. Un holocron ? Un holocron. Ils contiennent des données auxquelles seul un Jedi peut accéder. Attends, je crois que j'en ai un quelque part. Utilise la Force. Ici, Maître Bien.
Obi-Wan Kenobi. J'ai la grande peine de vous annoncer la chute de la République et de l'Ordre des Jedi. Que Kanana avait... Rebels aussi. Avec les enfants de cette liste, nous pourrions reconstruire l'Ordre Jedi et renverser l'Empire. Ok, pas de problème. Allons-y. Oui, mais l'Holocron se trouve caché au cœur du sanctuaire et il faudra suivre Cordova pour l'obtenir. Je crois qu'il a évoqué la planète d'Atomir et le monde natal de ses effets. Ok, très bien. Alors où on va? Je demande ça parce que je pensais me mettre au fourneau. Écoutez, avant que nous agissions, j'ai besoin de savoir. Pourquoi avoir quitté les Jedi? À cause d'une expérience qui a changé mon point de vue. J'ai dû rompre mes liens avec la Force. Mais vous voulez reconstruire l'Ordre? Je crois que reconstruire l'Ordre est notre seule et unique chance de rivaliser avec l'Empire. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que je ne peux plus continuer à me cacher de l'Empire, donc il ne me reste pas beaucoup d'options. Cal, tant que tu vivras, tu auras toujours le choix. Tu es partant? D'accord. D'Atomir ou Zepho, c'est toi qui décides. D'accord. Bon, bah, ça y est ici. Parce que là, je suis un petit peu fatigué, donc voilà. Je suis quand même content que tout ça soit bien passé, que la reprise soit faite. Ouais, donc en fait, sur ce sabre-là, je crois. On sait quand même qu'on remplacerait quand même le bas complet du sabre laser. Bon, je sais pas, ça arrivera peut-être en avançant dans le jeu. Mais là, il a vraiment qu'un demi, quoi. Voilà, bah sur ce, je suppose que ça a sauvegardé. Ah, par contre, la couleur des potions, elles sont dégueulasses, quoi. Sur ça, je m'arrête là. Je vous dis à plus. Merci de regarder. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous dis à plus pour le prochain live. Allez!